We will need 2,500 new robotics engineers within 2025. Our university can create around 200 per year, so we will quickly run short. Les compétences ne suivent pas toujours, donc il faut donner un signal fort. On parle de millions de gens qui doivent changer parfois de qualification ou simplement améliorer leur qualification. C'est en fait un message fort pour faire face à un défi majeur. Et donc c'est un rendez-vous important que l'Europe a avec son avenir économique, avec les grandes transformations qui sont en cours, qu'elles soient numériques ou vertes.